Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le 41e épisode de la saison 10 de Minecraft Hardcore Pirates des Cuboïdes 2. Je vous avais laissé la dernière fois dans cette quête secondaire qui m'a été donnée, je crois, par DX Member, dans une de ces maisons sur l'île de la Crique, si je dis pas de bêtises, qui m'a donné des coordonnées pour atterrir ici. Putain, je vais vite. Je vais vite. Non? J'ai l'impression d'aller vite. Hop, 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 hop. C'est bizarre ça, j'ai l'impression d'aller très très vite. Donc, on va voir, on va voir. On va essayer de voir un peu où ça nous mène. Donc, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Je me retrouve dans une quête secondaire que je déteste. C'est typiquement le genre de truc que je déteste ici. Alors, on parle pas de redstone et d'alchimie, puisque, bon, clairement, là, je suis totalement hors sujet. Mais dans ce que je maîtrise plus ou moins, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est ça. C'est les sauts d'obstacles par-dessus la lave, parce que là, c'est assez craignos, par contre. Alors, je m'aperçois qu'il y a plusieurs étages. J'imagine facilement que pour trouver la sortie de ce casse-tête, il faut que j'arrive à rejoindre un étage supérieur. On va donc essayer. Hop, voilà, on va essayer de faire le fou. On va passer par là, nickel. Alors, ouais, je déteste vraiment les sauts d'obstacles par-dessus la lave. C'est quelque chose que bon, je maîtrise de mieux en mieux au fil des saisons, mais qui reste malgré tout assez stressant puisque la moindre erreur est fatale. Oh tiens, il y a un escalier ici. Ah ah, oh. Est-ce que j'aurais pas déjà trouvé nickel là où il faut aller? Alors là, ça descend. Là. Ah, ça descend. Ça descend à gauche, ça descend partout. Il n'y a rien en haut. On va passer par. J'ai vu un monstre ici, non? Non, c'est un clochard. C'est bon. C'est un clochard. Dégage. Allez, fous-moi le camp. Alors, ici, pareil, on a fait le tour. Ouais, c'est un vrai labyrinthe. Hein. C'est un vrai labyrinthe, un vrai casse-tête. On va essayer de tout explorer pour voir. Ok, donc là je ratterris au centre, ça ne me sert à rien. Là je ratterris au centre, ça ne me sert à rien. Ok, donc je suis allé à gauche, à droite, on va passer par là. Là j'y suis pas allé. Là je ratterris par là. Là je fais le tour, ok. Bon, mais ça mène nulle part. On est d'accord, cette zone là ne mène strictement nulle part. Par là, par là, par là, par là, j'y suis allé aussi. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que ce serait pas par là? Non, 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 non. Par là non plus. Bon, ça m'a pas l'air d'être la bonne zone. Alors je sais pas trop ce que je cherche. C'est un peu ça le problème. Ouais, en face j'y suis allé, faudrait que j'aille là-bas là. Ouais. Quelque chose me dit qu'il faudrait que j'aille là-bas. Hop là. Allez, on va essayer de pas se vautrer lamentablement, de pas se ridiculiser. Donc là c'est la zone de départ. Ok. C'est des sauts relativement faciles. Ah, sauf celui là-bas là. Celui-là là-bas est assez hardcore par contre. Pour le coup, ça vaudrait peut-être. Oh putain, je vais me vautrer lamentablement, je le sens mal quoi. Putain. Celui-là me semble assez délicat. Oh putain. Oh putain de putain. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On va voir, hein. J'ai de l'alcool si besoin. Essayer de faire remonter les points de vie. Allez, allez, cesse. Cesse de brûler, cesse. Cesse de brûler. Cesse de brûler, je t'ai dit. Yes. Ok, bon, c'est chaud. C'est chaud les marrons. Alors, comment je vais faire pour remonter à la surface maintenant? Parce que là, je suis bloqué pour le coup. Je peux pas aller là-bas, il y a trop de cases. Je peux peut-être aller là-bas, ça va être tendu. Il faut que j'attende que les points de vie remontent. Ah, c'est assez tendu. Je vais attendre que les points de vie soient remontés. Je coupe la séquence, je vous retrouve quand c'est remonté à 100%. Voilà, je vous retrouve encore 3 petits cœurs. Je voulais en profiter pour vous dire que normalement, ça y est, alors ça a mis un temps, ça a mis un temps fou, mais normalement, la qualité audio des épisodes est largement meilleure. Normalement, vous n'avez plus le souffle qu'il y avait pendant une bonne quinzaine d'épisodes. Le volume devrait être aussi bien réglé. Normalement, on devrait être pas mal. Je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, que j'avais cassé mon casque. Et du coup, j'en ai commandé un pour Noël. Il est arrivé, normalement, ben, voilà, normalement on devrait être plutôt pas mal hein, sur la qualité audio, là. Oh putain de putain. Là le problème c'est que je peux pas sauter. On voit, ça doit servir à quelque chose ce tremplin au milieu là. Le truc c'est que je peux pas sauter ici. Donc ça sert à rien. Je peux pas aller en face, j'ai l'impression que je suis bloqué les jeunes. Je peux pas aller en face, on est d'accord hein. Je peux pas sauter ici, je peux pas sauter là-bas. Je peux pas. J'ai l'impression que je suis bloqué. Parce que en bas on a plus de 3 cases. On a 4, non ça passera pas. Ça passera pas. Oh là, quelle galère. Oh purée. Allez, je suis encore tombé, mais normalement ça devrait aller. Je suis un
peu sceptique pour mon armure. Est-ce que je devrais pas la garder? Je suis en train de me demander si je devrais pas garder mon plastron en diamant pour le boss de fin. Je sais pas trop. Pour le coup, je sais pas trop. Ça pourrait être pas mal de le garder pour le boss de fin. On va essayer de faire ça. Allez, on va essayer de faire ça. J'ai réfléchi, je pense que pour le boss de fin, ce serait pas mal. Donc, ici, hop, hop, hop. Donc c'est pas très, très, très grave s'il est cassé, hein. Vous le savez encore mieux que moi. Que ça protège exactement de la même façon. Voilà, ce sera mieux comme ça. Bon allez, on y retourne. On y retourne et je vous disais donc la qualité du son normalement devrait être nettement mieux ici. Bon, alors ce qui serait bien c'est d'arriver à rejoindre la plateforme en haut là. On imagine facilement qu'il faut que j'arrive à rejoindre le haut. Alors est-ce que je peux pas passer par là pour faire le tour? Tiens. Ah, regardez ça ici, ça m'a l'air bien grand. Ça m'a l'air bien grand tout ça. Ça, ce serait pas la zone du début, ça? Ouais, si, c'est la zone du début, ok. Ici, il n'y a rien, on est d'accord. Je pense qu'il faut que j'arrive à monter plus haut. J'arrive à franchir un étage. Tiens, 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 regardez ce qu'il y a ici. Ah, ah, je peux pas aller en face, tiens, c'est bloqué. Je sais pas si c'était voulu. Yes! À mon avis, il y a quelque chose ici. Non, même pas? Ah non, il n'y a rien. Alors je sais pas si c'était voulu, mais ça bug, les gars. J'avance, mais je peux pas passer. C'est bloqué ici. Je peux pas rejoindre en face. Ici, je peux pas aller là. Il y a rien. Là, peut-être. Ah. Non, il y a rien non plus. Étrange. Très très étrange cette zone-là. Bah écoute, on va passer par là du coup. Ok, là j'y suis. Il faudrait que j'arrive à rejoindre le haut, peut-être par là. Non, ça c'est le bout. Par là, qu'est-ce qu'on a? On a rien. Un vrai labyrinthe, un vrai casse-tête ce truc. Par là, il n'y a rien, il y a un trou. Bon. Bon, on est d'accord ici, ça sert à rien. Il faut que je monte en haut. Il faut que je monte par là. Le problème, c'est que je sais pas si c'était voulu, mais je peux pas sauter. Il y a un truc ici qui m'empêche de sauter, une demi-dalle. Vous voyez, je peux pas avancer. Alors, est-ce que c'est un fail ou est-ce que c'est voulu? C'est une très bonne question. On va dire que c'est voulu. On va dire que c'est voulu. Et du coup, je sais pas du tout par où aller, quoi. Ça m'embête un peu, par contre. Ça m'embête un peu parce que je suis totalement perdu. C'est pas très très clair. Bon, ici il n'y a rien. En face, j'y suis allé, il n'y a rien. Il faudrait que j'arrive à passer sur les sommets en face, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Hein, à mon avis, là, il y a un fail. Là, je peux pas passer par là. Là non plus, là non plus. On va essayer de faire le tour par là-bas. Peut-être passer par là. Donc là, je reviens au début. Ouais. Ben, je sais pas du tout comment atteindre la plateforme au-dessus. Puisque là c'est bouché. Peut-être par là-bas. Peut-être que j'ai loupé un truc par là-bas. On va essayer d'y retourner, tiens. Par là, il n'y a rien. Par là, ouais, on va passer par là. Oh purée, j'ai failli me vautrer. Oh là 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 là. Oh là là, comment j'ai failli me vautrer. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Oh oh! Qu'est-ce qu'on a par là? Peut-être par là? Attendez, il n'y avait pas un truc par là? N'y aurait-il pas des secrets, quelque chose à actionner? Oh là là, quel casse-tête, quel casse-tête, quelle galère quoi, c'est sérieux, quelle galère. Bon, ok, ici il n'y a rien, on est d'accord. Yop là, ici il n'y a rien. En face, je l'ai fait, j'ai tout fait. Alors là, pour le coup. Pour le coup, je suis perdu. On va reprendre mon épée au cas où. Dégage. Ah, par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Est-ce que je suis pas allé? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est totalement bouché. Ah, si, y a un escalier ici. Super. Ok. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'accès. Ok, super. Faut se méfier parce qu'il y a des trous. Donc, s'il y a des trous, c'est que ça doit être intéressant. Non, même pas. C'est des trous qui servent à juste à m'enquiquiner.
D'accord, ok. Là, il y a un trou aussi. Yep. On se méfie de l'appareil. Il y a un trou. Et là, ça mène nulle part. Bon, c'est juste des trous pour enquiquiner le monde. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, toute cette zone-là ne sert strictement à rien. Là, on se méfie. Il y a un trou. Yep là. Ok, ce serait dommage de tomber. Bon, pas catastrophique en soi. Juste dommage, quoi. Ouais, j'ai l'impression d'avoir ciblé la bonne zone, là. Ça y est. Ok, on va essayer de se rapprocher du bord. Donc il faudrait sûrement. Ah, je peux. Si je peux sauter. Oh purée de purée. Il faudrait sûrement aller là ou là. On va aller là-bas. J'irai peut-être même bien en face, quoi. Yop là! C'est bon. Je suis passé. La bouffe. La bouffe, faut que je surveille quand même. J'en ai encore, mais c'est pas la gloire. Alors le problème, c'est que je sais pas du tout ce que je recherche. Je sais pas du tout ce que je recherche, quoi. Une zone, un accès, mais un accès à quoi? Un accès comment? Ça, c'est la grande question. Bon, c'était pas du tout la bonne zone. Il n'y a rien du tout par là. On est d'accord, tout ça sert à rien. Plutôt aller par là. Yes! C'est bon, j'y suis arrivé. C'est stressant, c'est saut par-dessus la lave. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Là, il y a un trou. Yop là, ok, j'y suis, j'y reste. Suspense, il y a encore un trou. À mon avis, j'approche du but. Oh, que dalle, rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Yes, par là c'est bon, là il n'y a rien. On va y arriver au bout d'un moment, on va bien finir par trouver. Le problème c'est que là ça devient très très grand là pour le coup. Pour le coup, ça devient assez grand. Oh là 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 là, par où il faut que j'aille, les amis? Là, j'ai l'impression de faire demi-tour. Peut-être plus passer par là. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas une pancarte. Il n'y a pas quelque chose pour m'aider, là. Ça sent la sortie par là. Ça sent l'accès. Ah! Yes! J'ai trouvé! Ouh, super, 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 super. Maintenant, tu peux partir avec ce butin ou continuer. Information super importante. Pour finir, trouve les 7 torches en raid et prends-les. Attention, si tu rentres, seule la mort te fera échapper à moins de réussir les parcours d'obstacles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sortie des demi-vainqueurs sans grosse récompense. Oh la vache, truc de malade. Alors maintenant, tu peux partir avec ce butin ou continuer en prenant le risque de voir les viewers s'ennuyer. Si tu continues, tu n'es pas sorti, mais une grosse récompense t'attend. Une très grosse récompense, un parcours d'obstacles aussi t'attend, mais tu dois déjà y arriver. Un bloc posé égale un diamant ou 5 or ou 10 fer. D'accord. J'en ai du fer? Ouais, j'en ai. En tout cas, si tu acceptes, tu vas en chier. Oh, flûte. Regardez tout ça, alors, regardez tout ça, il y a plein de trucs ici. Oh, il y a tout un labyrinthe. Mini parcours 6, très facile. Il y a 7 parcours, c'est ça? Information super importante. Pour finir, trouve les 7 torches en redstone et prends-les. Parcours 1, parcours 2, 3, 4, 5, 7. Attention, si tu rentres seul, la mort te fera échapper. À moins de réussir les parcours d'obstacles. Ok. Donc le choix est assez simple. Soit je passe par là, je prends ma récompense ici. En fait, il n'y a pas de piège, épreuve de psychologie. Donc soit je sors par là, je prends le petit coffre qu'il y a ici et j'en ai fini. Mais à ce moment-là, j'ai une petite récompense, je m'attends à quelques barres d'or, quelques barres de fer. Soit je me tape les 7 épreuves ici, les 7 parcours de saut d'obstacles, et je me retrouve avec une récompense de la mort qui tue. Une très grosse récompense. Une très grosse récompense, on imagine facilement encore du stuff en diamant, quoi. Oh, je suis partagé parce que je sais pas ce que vous en pensez, vous, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Moi, en ce qui me concerne, je vais vous donner mon avis. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas peur des parcours d'obstacles. Ça peut prendre un épisode, ça peut prendre deux, ça peut prendre trois, je m'en fous. Je vous couperai les séquences, donc ça me fait pas peur. J'ai vraiment besoin de stuff, quoi. J'ai vraiment besoin d'une grosse armure en diamant pour affronter le boss final, puisque. Je tiens particulièrement à réussir cette saison. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un gros stuff. Donc je serais plutôt tenté par y aller, quoi. On y va ou pas? Allez, on y va.
Allez, on y va, mince. On y va. Parcours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est parti, j'ai décidé d'y aller, c'est parti. Ok, on va couper la première partie de cet épisode, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Je vais juger en fonction des niveaux, pour voir si je vous coupe les séquences, pour vous montrer un peu l'évolution, pour pas vous faire 2, 3, 4 épisodes sur des parcours d'obstacles, parce qu'au bout d'un moment, ça va vraiment devenir chiant pour vous comme pour moi. Donc au pire des cas, je vous couperai les séquences. Allez, à tout de suite pour la seconde partie.